Dimanche 3 septembre, Marianne James sera l'invitée de Frédéric Lopez dans l'émission Un dimanche à la campagne, diffusée sur France 2. Dans un extrait dévoilé par Gala, la chanteuse lyrique a fait de touchantes confidences sur ses années nouvelle star. Son franc-parler et son humour ont fait d'elle l'une des personnalités les plus emblématiques du petit écran. Pendant 4 ans, Marianne James a été jurée dans l'émission Nouvelle Star, diffusée sur M6. Présentée pour la première fois en 2003, ce télécrochet a permis à de nombreux artistes de lancer leur carrière. C'est notamment le cas de Julien Doré, Christophe Willem ou encore Amel Bent. Lors d'une interview dans Le Bon Dimanche Show sur RTL, Marianne James avait évoqué le salaire très confortable que lui rapportait son rôle de jurée. C'était chouette, on était très bien payé à l'époque. Ce qui est moins le cas maintenant. Qu'est-ce qu'on gagnait comme pognon, avait-elle avoué. Je remercie les impôts. Ça ne leur a pas échappé. Vive la France. Moi j'embrasse les flics, les infirmières, le mobilier urbain. Les abribus, je les aime, ils sont à ma hauteur, je leur fais des câlins, je me frotte contre eux, je laisse mon ADN, avait-elle ajouté. Marianne James se confie sur ses années nouvelle star dimanche 3 septembre. Marianne James sera l'invitée de Frédéric Lopez dans la nouvelle saison d'Un dimanche à la campagne, toujours diffusée sur France 2. Dans un extrait dévoilé par Gala vendredi 1er septembre, la chanteuse a notamment évoqué son arrivée sur le petit écran. Quand j'enlève le personnage, j'ai l'impression que je ne vais pas tenir, je suis fragile, a-t-elle d'abord expliqué, avant de revenir sur son expérience dans Nouvelle Star. J'ai eu peur d'abord. J'ai appelé pas mal de copains. Par exemple Christophe de Chavannes pour lui demander ce qu'il en pensait et il m'a répondu vas-y fonce. J'ai appelé Drucker et il m'a dit vas-y fonce. J'ai dit oui à la télévision et j'ai compris qu'en faisant ça c'est le truc qui va me sauver. Et la télévision, c'est soit je me fais bouffer par elle, soit je la bouffe. Point et je la ai bouffée, a-t-elle confié. Des confidences touchantes.